Ces gens, où vont-ils? Le plus loin possible de la Vox Populi. Là! Pour la lutte! Vas-y. Vas-y. Non. Fini. Tu peux sortir. J'ai trouvé de l'argent. Vous le voulez? Tu peux me crocheter ça? Donnez-moi une seconde. Je me demande ce qui attire l'oiseau dans cette chanson. C'est comme ça. Quand j'étais plus jeune, j'étais toujours aux anges quand je l'entendais. Aux anges? Je n'avais que lui. Il m'apportait à manger, de quoi lire. C'était mon ami. Ton ami? Et puis j'ai grandi. Et je l'ai détesté. Parce que c'était mon geôlier. Et c'est la créature de Comstock. Il est comme moi. C'est fait. Fitzroy ne vaut pas mieux que Comstock. Lorsque la foule a goûté au sang, difficile pour elle de faire marche arrière. Voilà. Continuez. Moi, ça ira. Des secrets d'amour. Le sort.
J'ai besoin de ton aide pour cette serrure. Ok. Et voilà. J'ai eu une vision en arrivant ici. Un rêve. C'était New York, mais beaucoup plus vaste que dans la réalité. Tout était en feu. Tu peux me crocheter ça? Vous n'avez rien de plus difficile. Voilà. Encore de l'argent. Viens de comprendre qui était ce couple. Ils ont... Enfin... Elle a inventé la technologie qui permet à la ville de flotter. Les gros ballons? Des particules quantiques, gelées à hauteur fixe dans l'espace-temps. Rien à voir avec les gros ballons, donc? Mais d'après mes livres, ils auraient disparu depuis plusieurs années. Je t'avais dit qu'ils viendraient. Non, je ne crois pas. Ah, eh bien, quoi qu'il en soit, j'en avais l'intention. Mais tu ne l'as pas dit. Non, pas encore. Tu es sûr de toi? Je crois qu'avec eux, il ne faut pas se fier aux apparences. J'allais t'avoir dit qu'ils allaient venir? Non. Futur antérieur? Non, pas le futur antérieur. La grammaire n'a pas encore été inventée. Je crois qu'ils veulent nous aider. Je crois qu'ils sont fous alliés. Étrange, non? Quoi donc? Qu'il nous arrive parfois... De finir les phrases de l'autre? Exactement. Le contraire serait étonnant. Comment ils font ça, à votre avis? Je te répondrai dès que j'aurai compris cette histoire de ville flottante. Allez, on est presque chez Comstock. C'est ça? Comstock? Ouais, je crois bien. Il se prenait pour les rois du monde. Ah, regardez un peu. Vous voyez, si vous ne le protégez pas, qui le fera? Je me... Ah
voulez ? S'il te plaît, tu peux regarder cette serrure? Ça a l'air assez facile. Voilà qui est fait. Qu'est-ce que tu fiches ? On tient le quartier. Exécutez tous ceux qui pourraient nous poser des problèmes. Tous ceux qui portent une arme. Tous ceux qui portent des... Monsieur Comstock, la prochaine fois qu'on se verra, ça sera pas pour discuter. Vous voyez, je suis allé dans l'antre des héros pour scalper votre faux berger pour vous. Mais ce que j'ai découvert, figurez-vous, c'est que ce DeWitt parle la langue des Sioux. Il m'a aidé à communiquer avec ce gamin estropié que j'ai recueilli. Maintenant que j'en sais un peu plus sur sa vie dans votre ville, je me dis que quand je vais vous écorcher, je le laisserai guider la lame. Des armes de belle facture.
Elisabeth. Et voilà. Merci beaucoup. Prenez sa bande de salopards. Donnez-nous vos droits. Donnez-nous vos vies. Le maître ne craint que le coup de fouet. Où il est passé? Celle-là. Compris. Le prophète usurpateur. Elisabeth. Et voilà. Allez, à toi. Je m'en occupe. Faites-le sortir. Le peuple. C'est fini pour toi. C'est moi qui...
qui porterait le coup. Les porcs vont crier. La sentence par les flammes. C'est parfait. Ouvre-la. Elisabeth, un petit coup de main? Ah, un jeu d'enfant. Voilà qui est fait. Tuez le porc! Là! Pars-moi pour la fille! Je vais te regarder! Ouvre-la! Nous ne pourrons plus revenir. Vous voulez garder ça? Prenez ça. Génial. Ça se refermera derrière nous. Tu pourrais m'ouvrir ça? Je vais essayer. Allez-y. Cher frère, ce que Comstock ne semble pas en mesure de comprendre, c'est que notre engin n'est pas une fenêtre sur la prophétie, mais sur la probabilité. Cela dit, son argent permettrait de transformer le champ Lutèce en faille Lutèce. Une fenêtre entre les mondes, une fenêtre à travers laquelle nous pourrions enfin nous retrouver. Ce salopard a profité de ce que la Vox saccageait l'endroit pour s'introduire et me prendre ma petite. Il l'a enfermée au Salty Oyster, le placard secret où il cache tous ses trésors. Il suffit juste d'appuyer sur le bouton sous la caisse enregistreuse pour l'ouvrir. Mais... Couvrez dès aujourd'hui un abandon de demain.
tu peux ouvrir ça? C'est un verrou à double cadran. Ceux qui montent gardent la combinaison à portée de la main. J'espère qu'on est tombé chez lui. C'est peut-être ça. Qu'est-ce qui t'a attiré dans le crochetage et le déchiffrage? Si vous vous retrouvez dans une cage, c'est le genre de choses qui peut vous intéresser. Je veux bien te croire. Et je ne veux plus jamais qu'on m'enferme vous. Elisabeth. Elisabeth, tu... Promettez. Je vais l'arrêter. Non. Vous savez que c'est impossible. Mais s'il me retrouve, je préfère encore... être morte que de retourner là-bas. Ça n'arrivera pas. D'accord. Regardez, la Vox Populi est en train de tout saccager.